Thank you, Jesus. Merci, Jésus. God bless you, my beloved. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. You can see. Vous voyez? God is answering your prayers. Dieu exauce vos prières. God is answering our prayers. Dieu exauce nos prières. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. If he doesn't know. Si vous ne le savez pas. For you to see this new month. Pour que vous puissiez voir ce nouveau mois. It's a prayer answered. C'est l'exaucement de prière. There are people. Il y a des personnes. That wanted to see this new month. Qui auraient bien souhaité voir ce nouveau mois. But they are not alive today. Mais malheureusement, ces personnes ne sont pas en vie aujourd'hui. You don't know what God is doing for you. Vous ne savez pas ce que Dieu fait pour you vous. You don't know. Vous ne savez pas. At times, this a little thing like this can make God to be angry. Et une moindre chose peut irriter Dieu, le mettre en colère. Because not appreciating God. Parce que ne pas être reconnaissant à Dieu, l'apprécier. It's a sin. It's a very big sin. C'est un grand péché. And it can hinder the bigger thing that God wants to do. Et cela peut bloquer, empêcher les choses grandioses que Dieu voudrait faire pour nous. This is another month. Et ça, c'est un autre mois. I'm welcoming you in the name of Jesus. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus. And I'm welcoming you specially. Et je vous souhaite la bienvenue spécialement to this program, à ce programme, on this platform, sur cette plateforme. This is your deliverance ground. C'est votre terrain de délivrance. God is about to answer your prayers again. Dieu va encore exaucer vos prières. I want us to close our eyes for prayer. Fermons les yeux pour la prière. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we are here again. Nous sommes encore ici. We have gathered unto your name. Nous sommes rassemblés en ton nom. Arise and fight for us. Lève-toi et combat pour nous. Open our understanding. Ouvre notre intelligence. And bless us. Et bénis-nous. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. The title of today's message. Le titre du message d'aujourd'hui is titled est le suivant. My month of new beginning. Mon mois du nouveau commencement. My month of new beginning. Mon mois du nouveau commencement. We are in the month of August. Nous sommes au mois d'août. And the month is number 8. Et le mois, c'est le numéro 8. The eighth month. Le huitième mois. And that is what it signifies. Et c'est ce que cela signifie. New beginning. Le nouveau commencement. New beginning. Le nouveau commencement. Listen to me. Écoutez-moi. Whether your enemy like it or not today. Que votre ennemi le veuille ou non aujourd'hui. The blessing that God has ordained. Les bénédictions que Dieu a ordonnées. The blessing that God has prepared. Les bénédictions que Dieu a préparées. For today's program. Pour ce programme. Is going to come direct to you. Et ces bénédictions viendront à vous directement. No power will be able to stop it. Aucun pouvoir ne pourra arrêter cela. There is a new thing. Il y a une nouvelle chose. There is a new thing. Il y a une nouvelle chose. There is a new thing. Il y a une nouvelle chose. That is going to manifest. Qui va se manifester. That is going to happen. Qui va se produire. That is going to take place. Qui va avoir lieu. In the life of somebody here. Dans la vie d'une personne ici. That will bring you celebration. Et qui va vous susciter la célébration. That will bring you deliverance. La délivrance. That will bring you joy. La joie, vous procurer la joie. That will bring joie, you promotion. La promotion. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The book of Genesis chapter 8. Le livre de Genèse chapitre 8. We're going to read it now. Nous allons le lire. Genesis chapter 8. Genèse chapitre 8. Please listen attentively. Écoutez attentivement. Because I have been led today to pray for you specifically. Et j'ai été conduit aujourd'hui à prier pour vous spécifiquement. So listen to these scriptures. Écoutez ces écritures. Genesis chapter 1 verse 8. Genèse chapitre 8 verset 1. This was after the flood. Et ce passage, c'est après le déluge. Yes. After the flood. Après le déluge. The flood now dried. Maintenant, la terre a séché. Now, Genesis chapter 1 verse 8 now says. Le Genèse chapitre 8 verset 1 nous dit. You can see that the Genesis, it said the Genesis chapter 8 is not by accident.
Donc, le Genèse chapitre 8, ce n'est pas par hasard. We are in the eighth month. Nous sommes dans le huitième And mois. We are reading Genesis chapter 8. Et nous lisons Genèse chapitre 8. And God remember Noah. Dieu se souvient de Noé. Who is this person? Qui est cette personne? That God want to remember this month. Dont Dieu veut se souvenir en ce mois. I'm not hearing your amen. Je n'entends pas votre amen en bien-aimé. I'm not hearing that it's me. Je n'entends pas, c'est moi. Say, and God remember Noah. Et Dieu se souvient de Noé. Who is this person? Qui est cette personne? Say, it is me. Dites, c'est moi. Shout it again. Crie encore. Shout it again. Encore. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It shall be so. Ainsi soit-il. And God remember Noah. Et Dieu se souvient de Noé. And everything, and every living thing. Et de tous les animaux. And all the cattle that was with him in the ark. Et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. And God made a wind to pass over the earth. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. And the water swayed. Et les eaux s'apaisèrent. God. Dieu. God. Dieu. Have remembered you and your family this month. Dieu s'est souvenu de vous et de votre famille en ce mois. So for you to see this month. Pour que vous puissiez voir ce mois. After all that has been happening. Après que toutes choses se sont produites. Some people would have died. Certaines personnes en seraient mortes. May God save you. Mais Dieu vous a sauvé. God deliver a lot of people that is listening to me now for a lot of danger and attack of the enemy. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, beaucoup de personnes qui m'écoutez maintenant, Dieu vous a préservé de beaucoup de choses contre des dangers, etc. So for you to see this new month. Pour que vous puissiez voir ce nouveau mois. It's for signs and wonders that God wants to do in your life. C'est pour des signes prodiges que Dieu veut opérer dans votre vie. It means. Cela signifie. That God has decided to remember you for your prayers to be answered. Dieu a décidé de se souvenir de vous pour l'exaucement de vos prières. Listen to this, for this thing to manifest. Pour que cette chose se manifeste. Listen to this instruction now. Écoutez ces instructions. You are going to make an offering to God. Vous allez offrir quelque chose à Dieu, faire une offrande à Dieu. To raise an altar to him. Élever un autel pour lui. Listen to me. Écoutez-moi. If you have an altar before. Si vous avez déjà un autel. What de you need, prière, what you need to do, ce que vous devez faire, is to rededicate that altar by making an offering. C'est de reconsacrer cet autel en faisant une offrande. But if you have not make, if you don't have an altar before, mais si vous n'avez pas un autel auparavant, you raise an altar. Vous élevez un autel. When we are talking about altar, quand nous parlons d'autel, it's a place that you have consecrated, that you are praying. C'est un endroit que vous avez consacré pour la prière. A place you, it may be a corner in your room, in your parlor, anywhere. Ça peut être un coin dans votre chambre, dans votre couloir, n'importe où. That you always go there and pray. Que vous allez là-bas pour prier. That you always go there and pray. Vous allez là-bas pour prier. That is an altar. Ça, c'est un hôtel. Do this here, I'm telling you now. Et faites ce que je vous demande. You will go there. Vous y allez. And make some prayers. Et vous faites certaines prières. And talk to God. Vous parlez à Dieu. Using that offering as a point of contact. Et vous utilisez cette offrande comme un point de contact. Don't give it to anybody. Ne donnez à personne cette offrande. Put it in your envelope. Mettez cela dans une enveloppe. Take it to the church where you are worshiping. Et puis apportez cela, menez cela à l'église où vous adorez. Just write altar offering. Dites offrande d'hôtel. Write it in that envelope. Écrivez sur l'enveloppe. What I'm telling you, do it this month. Something is going to happen. Et s'il vous plaît, faites ceci ce mois-ci. Quelque chose va se passer. Yes. Anything that God lays in your heart as an offering, put it there. Et tout montant que Dieu vous met à cœur comme offrande, faites-le, mettez-le dans l'enveloppe. Put it there. Mettez-le dans l'enveloppe. Use it to talk to God. Utilisez cela pour parler à Dieu. You go and drop it. At the altar or the offering bag or where they are putting up, we put donc, it there. Donc, vous pouvez déposer ça à l'hôtel, mettre ça dans le panier d'offrande selon les églises. That is what happened in the book of Genesis chapter 8 verse 20. Et c'est ce qui est arrivé dans le livre de Genèse, toujours chapitre 8 verset 20. He said, il dit, and Noah built an altar unto the Lord. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. And took off
every clean beast of beast and of every clean fowl. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. And offer burnt offering unto the altar. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. You can see it. Donc vous voyez cela? To see what God have done. Donc pour voir ce que Dieu a fait. If you read it continuously. Et si vous lisez, vous continuez à lire. God bless him more. Dieu l'a béni abondamment. And he removed the curse away. Et Dieu a ôté la malédiction. The purpose of this offering. Et le but de cette offrande. Is God to remove that curse. Que Dieu ôte la malédiction. That is behind what you have been going through. Qui est responsable de ce que vous traversez en ce to moment. To remove that evil away. Pour ôter ce mal. Don't forget. N'oubliez pas. Number 8 in the Bible. Le numéro 8, le chiffre 8 dans la Bible. It represents a new beginning. Cela représente un nouveau commencement. You can see what happened here in this book of Genesis now. Vous voyez ce qui s'est passé dans le livre de Genèse ici. After God have destroyed everything in the world. Après que Dieu ait détruit tout dans le monde. He now remained Noah and his family. Il restait maintenant Noé et sa famille. They are the ones that started another race. Et ce sont eux qui ont commencé une nouvelle race. It was race. A new beginning. C'est un nouveau commencement. I don't know what the enemy have destroyed in your life. Je ne sais pas ce que l'ennemi a détruit I don't know dans what votre vie. Has been happening in your family. Ou bien ce qui se passe dans votre famille. I don't know what the enemy have done concerning your health. Qu'est-ce que l'ennemi a fait concernant votre santé? Listen to me. Écoutez-moi. This month, en ce mois, God is starting a new thing afresh in your life. Dieu commence une nouvelle chose dans votre vie. And everything will become new again. Et tout sera nouveau. Everything will become new again. Tout redeviendra nouveau. Number 8. Numéro 8. It represents hope. Ça représente l'espérance, l'espoir. It represents bright future. Cela représente un futur flamboyant, brillant. That is why. C'est pourquoi. I've been led. J'ai été conduit to prophesy into your life today. Pour prophétiser sur votre vie aujourd'hui. This month, en ce mois, and God shall arise for your sake. Dieu se lèvera en votre faveur à cause de vous. And fight your battle for you. Et combattra pour vous. We are going to pray now. Nous allons prier. Close your eyes. Fermez les yeux. Talk to God. Parlez à Dieu. Ask him to forgive you. Demandez-lui de vous pardonner. Any sin that can stand as a hindrance to your prayer. Tout péché qui peut se dresser comme un obstacle à vos prières. Begin to talk to God now. Commencez à parler à Dieu. Talk to him now. Parlez à Dieu. In Jesus mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Rise up to your feet now. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Rise up to your feet. Mettez-vous debout. Thank you Jesus. Merci Jésus. Begin to cover your body, your soul and your spirit in the pool of the blood of Jesus. Couvrez votre corps, votre âme et votre esprit dans le sang de Jésus. To cover your body, your soul. I cover my body, soul, spirit. Votre âme et votre esprit dans le sang de Jésus. Je couvre mon corps, mon âme et mon esprit. My body, my soul, my spirit. With the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus. Reke poseke marebo. Fight my battle. Fight my battle. Combat pour moi. Combat Holy pour Ghost arise. Saint-Esprit, lève-toi et combat fight pour my moi. Battle. Fight combat my battle. Combat Holy Ghost arise, oh, fight my battle. 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 Holy Ghost arise, oh, fight my battle. Saint-Esprit, lève-toi et combat pour moi. Please close your eyes now. Fermez les yeux à présent. And stretch forth your two hands. Étendez les deux mains devant vous. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I decree by the decree of heaven. Je décrète par les décrets des cieux. By the power of God. Par la puissance de Dieu that created the heaven and the earth. Qui a créé les cieux et la terre. By the power in the blood of Jesus. Par la puissance dans le sang de Jésus. This month. Ce mois. Shall cooperate with you. Coopérera avec shall vous. Cooperate with you. Ce mois coopérera shall avec cooperate vous. With you. Ce mois coopérera shall cooperate avec with vous. You. Ce mois coopérera shall avec cooperate vous. With you. Ce mois coopérera in avec the name vous. Of Jesus. Au nom de Jésus. Shall not cooperate with your enemies. Ce mois ne coopérera shall pas avec vos ennemis. Enemies. Ce mois ne shall coopérera with your pas enemies. Avec vos ennemis. Shall not cooperate ce with mois your ne enemies. Coopérera pas in avec the vos ennemis. Of Jesus. Au nom de Jésus. Whatever the enemy has programmed. Tout ce que l'ennemi a programmé to work against you and your family for evil.
pour se dresser contre vous et votre famille pour le mal. Whatever the enemy has programmed to work against your family for evil. Tout ce que l'ennemi a programmé pour que cela œuvre contre vous et votre famille. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Shall backfire. Cela retournera par le feu. Retournera par le feu. Retournera par le feu. Retournera par le feu. Shall backfire. Retournera par le feu. Retournera par le feu. Shall backfire. Shall backfire. Shall backfire. Shall backfire. Shall backfire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every evil desire. Tout désir maléfique. Whatsoever they have concluded in the realm of the spirit. Tout ce qu'ils ont conclu dans le monde spirituel. Under the water. Sous l'eau. In the air. Dans les airs. In the desert. Dans le désert. In the forest. Dans la forêt. In the mountain. Dans les montagnes. In the heavenlies. Dans les lieux célestes. Against you and your family this month. Contre vous et votre famille en ce mois. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It shall fall upon their own heads. Cela retombera sur leur propre tête. Cela retombera sur leur propre tête. Cela retombera sur leur propre tête. In the name of Jesus. Cela retombera sur leur propre tête au nom de Jésus. Every satanic investment. Tout investissement satanique. Every occultic investment. Tout investissement occulte. In your blood. Dans votre sang. In your water. Dans votre eau. In your bones. Dans vos os. In any part of your body. Dans toute partie de votre corps. That is working against your health. Et qui œuvre contre votre santé à présent. Backfire now. Retourne par le in feu. In the name of Jesus. Que cela retourne Back par le feu. Fire. Retourne par le feu. Fire. Retourne par le feu. Retourne par le feu. Retourne par le feu. Backfire. Retourne par le feu. Yes. Oui. Let the power of God. Que la puissance de Dieu. Begin to remove them from your body now. Ôte cela de votre corps. Enlève cela de votre corps. Les plantations sataniques. Les plantations de la sorcellerie. Les plantations occultes. Attached to your body. Attaché à votre corps. Be uprooted. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Be uprooted. Be uprooted. Au nom de Jésus. Any power, any personality. Tout pouvoir, toute personnalité. That want you to suffer the same affliction that you suffered last month. Qui veut que vous souffrez des mêmes afflictions dont vous avez souffert le mois dernier. Shada. Mourons. Shada. Mourons. Shada. Il mourra. 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 Shada. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Your body is the temple of the Holy Ghost. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Every demon fighting your body. Tout démon qui combat votre corps. Every demon that have married themselves inside your body. Tous les démons qui se sont mariés au-dedans de votre corps. Every demon that is having children in your body. Tout démon qui ont des enfants dans votre corps. Begin to shake that body now. Secouez ce corps. Begin to shake that body now. Secouez ce corps. Shake that body now. Secouez ce corps. Fire! Feu! Fire! Feu! Bon, bon, brûle, 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 brûle. You must not suffer what you suffered last month. Vous ne devez pas souffrir de ce dont vous avez souffert Let le mois dernier. Let the fire of God! Que le feu de Dieu begin to burn now. Commence à brûler. Burn brûle from the crown of your head du sommet de votre tête to the sole of your feet à la plante de vos pieds. Yes. Oui. Yes. Oui. Fire. Feu. 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 Fire. Burn. Feu brûle. They can't stay in your body. They can't stay. Shake non, your body. Shake ils ne peuvent pas demeurer dans shake votre corps. Shake your body. Shake it out. Secouez. They're coming out. Secouez vigoureusement votre corps. They're coming out. Oui, ils sortent de votre corps. Come out. Sortez. Yes. Oui. Receive. Recevez your deliverance. Votre délivrance. Receive it. Recevez-la. 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 Receive it in the name of Jesus. Recevez-la au nom de Jésus. Uh-huh. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Power that has made your helper to forget you. Les pouvoirs qui ont fait en sorte que vos bienfaiteurs vous oublient. This month. En ce mois. They shall die. Ces pouvoirs mourront. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ces pouvoirs mourront. 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 Ces pouvoirs mourront au nom de Jésus. Aha, it's happened. Cela se powers. Pouvoir. Blocking good things. Qui bloque les bonnes choses. And the help that is coming your way. Et le secours, l'aide qui survient sur mon chemin. This month. Ce mois. Powers. Pouvoir blocking good things qui bloque les bonnes choses and the help et le secours l'aide that is coming your way qui survient sur mon chemin that is coming your way qui survient sur votre chemin this month en ce mois they shall die
Il mourant, Déchada, 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 il déchada, mourant, il déchada, mourant, in the name of Jesus. Il mourant au nom de Jésus. They can't stop you this month again. Il peut pas vous arrêter ce mois. You must receive those things that belongs to you. Vous devez recevoir ces choses qui vous appartiennent. You must receive them. Vous devez les recevoir. Let those things, those good things, those help. Que ces bonnes choses, ces secours. That you are expecting. Que vous espérez. Let it become too hot. Que cela devient trop ardent. For the enemy to handle. Afin que l'ennemi puisse gérer cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Any demonically anything demonically programmed. Toute chose programmée de façon démoniaque. To work against your joy and your celebration. Pour œuvrer contre votre joie et votre célébration. This month. Ce mois. Shall backfire. Ces choses retourneront par shall le feu. Backfire. Cela retournera par le feu. Cela retournera par le feu. Shall backfire. Shall cela backfire. Retournera par in le feu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every evil gathering. Tout rassemblement maléfique. Against new and good news. Contre de nouvelles et de bonnes nouvelles. In your life. Dans votre vie. This month. Ce mois, I command it to scatter. J'ordonne qu'est-ce que ce soit in dispersé Jesus, au nom de Jésus. Que ce soit let dispersé, scatter, que ce soit let dispersé, scatter, que ce soit dispersé, let que scatter, ce soit dispersé, let que ce scatter, soit let dispersé, dispersé au nom de Jésus. Every secret and open battle. Toute bataille secrète et toute bataille publique ouverte. Designed for you and your family this month. Destinée à vous et à votre famille ce mois. Shada. Shada, 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 moi, they shall fall down and die. Ils tomberont in the name of Jesus. They shall fall down and die. In the name of Jesus. They shall fall down and die. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ils mourront. Oh, your blessing. Toutes vos bénédictions. And benefit. Et bénéfices. That have been spiritually and physically confiscated. Qui ont été spirituellement et physiquement confisqués, shall be released this month. Cela vous sera libéré ce mois-ci. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Shall be released this month. Cela vous shall sera released. Cela vous sera libéré. Cela vous sera libéré. Shall be released. Cela shall vous be released. Sera shall libéré. Be released. Libéré. In the name of Jesus. Cela vous sera libéré au nom de Jésus. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. The Lord is losing somebody from the powers of the waters. Le Seigneur est en train de délivrer une personne ici des pouvoirs des eaux. God is losing, he's losing this person now. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un ici maintenant. Yes, he's losing oui. You. He's le losing Seigneur you. Vous he's délivre. Losing le Seigneur vous what délivre. What they done against you in the water? Qu'est-ce tout ce qu'ils ont fait contre vous dans l'eau? The sacrifice carried against you in the water. Les sacrifices qui ont été faits dans l'eau contre vous. To invoke that marine spirit, that water spirit against you. Pour causer, susciter l'esprit marin contre vous. The Lord is setting you l'esprit free des eaux. The Lord is setting le Seigneur you free. Vous délivre he's maintenant. Setting you free. Le Seigneur he's vous délivre. Le Seigneur vous délivre. Le Seigneur vous be délivre. Set free in the name of Jesus. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Any power tout pouvoir that doesn't want to see new things in your life this month, qui ne veut pas voir de nouvelles choses dans votre vie that ce mois-ci, that doesn't want to see changes in your life, qui ne veut pas voir des changements dans votre vie, they shall die. Ils mourront. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I'm seeing somebody jumping up. Je vois une personne qui sort qui, en sautant. With something in his in the hand. Avec quelque chose dans les mains. He's jumping with joy. La personne saute avec amour, de joie. Yes, something la he's personne, jumping up. He's la jumping personne up. Saute de Ma joie. Pauvre que posse que marebo. The Lord is saying, is there anything that is too hard for me? Le Seigneur nous demande est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile ou étonnant receive de sa part pour lui? That's your healing now. Receive it. Recevez votre guérison. Recevez-la. Recevez votre guérison. Recevez-la. 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 That's your breakthrough. Receive it. Vos percées, recevez-les. Receive it. Recevez-les. Receive it. Recevez-les. There is somebody here. Il y a une personne ici. The Lord is saying. Le Seigneur dit. Every owner of evil load.
Propriétaire de fardeau maléfique. Every owner of affliction in your life. Tout propriétaire d'affliction dans votre vie. You will see them, they will carry their load. Vous allez les voir reprendre leur fardeau. They will carry their load. Ils reprendront leur fardeau. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Power that have been troubling you day and night. Les pouvoirs qui vous troublent jour et nuit. They will begin to trouble themselves. Ils vont commencer à se troubler eux-mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. There is a news. Il y a une nouvelle of the defeat of your enemy that is coming. De la défaite de votre ennemi que vous allez apprendre. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Because you have answered this prayer. À cause de l'exaucement des prières. This month. Ce mois. The Lord will bless your going out. Le Seigneur bénira votre départ et He will bless your coming in. Et votre arrivée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The sun will not smite you by day. Le soleil ne vous frappera pas le the jour. Sun, nor the moon by night. Ni la lune nor la nuit. All that you set your hand to do this month. Tout ce que vous allez entreprendre en ce mois. Shall prosper. Sera prospère. Shall bring results. Cela vous apportera des you résultats. Will not walk into danger. Vous n'allez pas marcher dans le danger. You will not fall. Vous ne tomberez pas. You will not be captured. Vous ne serez pas capturé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It shall be well with your children. Tout ira bien avec pour vos enfants. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I cover your children with the blood of Je Jesus. Je couvre vos enfants du sang de Jésus. This month. Ce mois. You will hear good news concerning your children. Vous allez entendre de bonnes nouvelles concernant vos In, enfants. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Open your mouth and begin to appreciate God. Ouvrez Dieu, commencez, ouvrez la bouche et commencez à apprécier Dieu. For what you have just done. Soyez reconnaissant pour ce qu'il a fait. There shall be no regroupement, no reinforcement of Il darkness. Il n'y aura pas de regroupement, de renforcement des ténèbres. Against these prayers. Contre ces prières. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray for all the health workers. Je prie pour tout le personnel de santé. That God is using. Que Dieu utilise. To save lives. Pour sauver des vies. At this period of coronavirus. En cette période de coronavirus. They will not be contaminated. Ils ne seront pas contaminés. They will not die. Ils ne mourront pas. They will be promoted. Ils seront promus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Powers and personality. Pouvoir et personnalité. Behind coronavirus, responsable du coronavirus and fake vaccine, et du faux vaccin troubling the world, qui trouble le monde, the church, l'église and the children of God, et les enfants de Dieu, they shall be exposed, ils seront exposés and be disgraced, et disgraciés and die, et ils mourront in the name of Jesus. Au nom de Jésus. And I'm praying, et je prie all those that have been mandated to be vaccinated, et ceux qui sont obligés de prendre le vaccin, all those that have been vaccinated, ou bien ceux qui sont déjà vaccinés, I convert the blood in your body and the water. Et je convertis le sang et l'eau dans votre corps. To become the blood of our Lord Jesus and the fire of the Holy Ghost. Que cela devienne le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will not die. Vous ne mourrez pas. Your blood will not be contaminated. Votre sang ne sera pas contaminé. Your water will not be contaminated. Votre eau ne sera pas contaminée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Anything injected into your body. Toute chose injectée dans votre corps. The blood of Jesus will destroy them. Le sang de Jésus va détruire cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, wonderful Father. Merci Père merveilleux. In Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. The grace. La grâce. The grace of our Lord Jesus Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. The love of God. L'amour de Dieu. And the sweet fellowship et la communion du Saint-Esprit. Be with us now forever. Soit avec nous tous. Surely. Oui. God goodness and mercy le bonheur et la grâce nous accompagneront. All the days of our life. Tous les jours de notre vie. And we shall dwell in the house of et the nous Lord. Habiterons dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Et alléluia. 8, alléluia. Let's go. On y va. Alléluia. 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 Alléluia.